sympa ici, vous trouvez pas? Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Je sais que ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Tout simplement j'avais des examens en fait, donc j'ai tout coupé, voilà, j'ai révisé. On espère qu'on va avoir de bons résultats, voilà, on croise les doigts. En attendant, je suis de retour, voilà, je suis là, vous voyez que il y a un petit nouveau décor, j'ai changé de pièce, il y a les petites lumières et tout, j'ai un peu plus de place. C'est assez cool, on est actuellement sur mon compte Jap. Donc c'est un nouveau compte Jap que j'ai farmé, etc. Donc grosse dédicace au Rey qui m'a aidé à farmer des DS. Il se reconnaîtra, plein de bisous à lui. Et puis on va invoquer maintenant, on a donc deux cycles à faire avec les LR garantis. J'ai déjà fait les deux premières multi, donc on a encore les leaders catégories à voir. Les LR, ça va être juste incroyable. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, ça ferait grave plaisir. Juste avant d'invoquer, je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu sur le compte. Donc en gros j'ai fait 3 multis sur Gogeta et les deux premières multis du cycle, donc 60 DS, en gros 210 DS d'usé. Et plutôt très très satisfait, je vous mettrai sûrement au montage ici si j'oublie pas. Enfin ici, je sais plus c'est où. La multi que j'ai eu, parce qu'il y avait une multi vraiment incroyable où j'ai eu Golden, Omega Shenron et Vegeta SSJ4. Et en plus je sais plus Kid Buin, je crois, c'était juste fou, donc vous voyez. Elle est vraiment terrible, hein. Pour 210 DS, le reroll est vraiment terrible pour le moment. On a une team fusion qui est déjà assez conséquente, Gogeta 1, Gogeta 4 avec un doublon. Le Gogeta qui passe en blue, pff, voilà quoi, c'est vraiment incroyable, doublon Gogeta 4. Et du coup, on va aller tout de suite invoquer sur ce petit portail sans plus attendre. On veut tout simplement, voilà. J'attends d'être surpris, on verra bien ce qu'on aura. Et puis, let's go. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça ferait grave plaisir. Il y a toujours le petit YouTube dans la description si vous voulez faire un don gratos. Et on a pas de combinaison pour le moment. On n'a pas de combinaison malheureusement. Arc-en-ciel, ok. Peut-être un SSJ God, on sait jamais. Donc là, c'est la multi avec le Neo Extreme Garantie. C'est la multi avec le petit Neo Extreme Garantie. Peut-être on aura un autre truc sur la multi d'ailleurs. C'est ça qui est assez fort sur ces multi là, c'est que le détecteur, même s'il y a beaucoup d'unités. Ah, bordel. Bon, Majin Vegeta Tech, pourquoi pas, hein, c'est pas une mauvaise unité. Pourquoi pas. Ok, Majin Vegeta, pas mal. Bon, j'aurais préféré l'unité du détecteur, clairement, mais on va pas se plaindre. Pas mal, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, d'ailleurs je m'attendais pas du tout à avoir ce perso là. En invocation. Et là, le prochain ou celui-là d'après, c'est le... Aïe. Aïe. On a eu le Broly SSJ 3 Tech. Clairement, c'était pas ce qu'on voulait. C'est dommage. On va faire maintenant celle avec le leader catégorie garantie. C'est dommage parce que... ouais, j'aurais tout pris sauf lui en fait. J'aurais tout pris sauf... Là, on a toujours pas de combinaison. On a un SSJ1. Bon, on va avoir un bye-bye quand même. Même pas de bye-bye, donc on peut pas espérer beaucoup de choses sur cette multi à part sur la garantie. Bon, après, j'ai volé le portail sur la multi là. On peut pas tout le temps voler le portail. Mais c'est vrai que... on aura... Oh, la multi full air quoi. On aurait pas le garantie à la fin, on serait ensemble. On serait ensemble clairement, donc Kibito Shin. Et le petit Omega Shenron qui tombe, ok, pourquoi pas. Bon, c'est le truc qu'on avait déjà, putain. C'est le seul leader catégorie qu'on avait déjà. Non, franchement, je suis déçu par contre. C'est le seul leader catégorie qu'on avait déjà, on est retombé dessus. Donc très déçu de ce côté-là, c'est dommage. C'est vraiment grave dommage. On va partir sur la multi et l'air garantie du coup. Bon, pour l'instant, pas de chance. Hein. Pour l'instant, vraiment pas de chance. On a Satan et avec, sur le bout, donc. Imagine, on a un LR détecteur. Bon, c'est Dokkan Fest garantie, normalement, parce que là, on a un Dokkan Fest, forcément. SSJ 3, SSJ God. Non, pas de SSJ God. J'avoue que le coup d'Omega, quand même, il m'a mis un peu au fond, là. Hein. Un petit Vegeta Super Saiyan 3, pourquoi pas, c'est cool. C'est cool, le petit Vegeta Super Saiyan 3 qui tombe. Et on va avoir qui comme LR? Petit Krillin. Piccolo. Allez. Oh, le petit Bojack qui tombe. Et ça fait grave plaisir. Le petit Bojack qui tombe. Un des meilleurs LR qu'on pouvait avoir. Pour moi, un des trois meilleurs LR, voilà, un des trois meilleurs avec Cell et Zama Black. Vraiment, il sort du lot.
Donc terrible, ok. Ok, plutôt très très bonne cette multi, ça fait plaisir. Du coup, on remet les compteurs à zéro, et là on va avoir le ZTVR garanti. Donc plutôt très content. Plutôt très content à ce niveau-là. Donc là, c'est un perso du détecteur garanti. Sachant qu'on sait très bien qu'il y a un perso du détecteur garanti déjà de base. Mais bon, on va dire que ça augmente les chances, entre guillemets, qu'il y en ait un deuxième dans la multi. On va se faire des films, on va dire ça. Ok, Videl. Ah, le petit Shaozu qui stun, d'ailleurs, pourquoi pas. Hein, pour un TB, lui, c'est pas mal. C'est vrai qu'au début, c'est une des unités que t'as pas forcément... Vegeta Ozaru, c'est dommage. On aurait préféré avoir une unité du détecteur. Bon, clairement, on la passe, on s'en fout. On s'en fout, clairement. Ça va être lequel, le ZTUR? Goku SSJ3. Ok, pourquoi pas, ouais. Plutôt très bon. Je sais plus si j'avais eu quel ZTUR en premier, mais je pense pas que c'était lui. Enfin, j'espère pas, en tout cas. On va partir sur la multi Neo Super Garantie, du coup. En espérant pas avoir Vegeta que j'ai déjà. Bon, la dernière fois, m'a porté bien chance, quand même, cette multi-là. Elle était vraiment terrible. Super Saiyan God. Oh, Super Saiyan God. La dernière fois aussi, j'avais un Super Saiyan God. J'ai tombé sur 4 unités du détecteur. Allez, on espère que sur les deux autres SSR... Oh, doublon de Gogeta Hit. Bon, c'est un très bon doublon, donc on prend. C'est un nouveau compte. La team Fusion va être incroyable sur ce compte. Hein. La team Fusion va être incroyable. Bon, c'est un peu dommage dans le sens où on aurait aimé une unité qu'on n'a pas, mais c'est très très bon. Donc on va pas se plaindre, c'est clair qu'on va pas se plaindre. C'est vrai qu'on a aussi Gogeta Hit d'ailleurs. Bon, Trunks, on pourrait pas avoir que des unités du détecteur. La dernière, j'espère juste pas avoir un perso que j'ai déjà sur le God Tier garanti, sur le Neo God garanti. Ah, petit Goku SSJ4, et ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Le petit Goku SSJ4 qui tombe, ok. Bon, très bonne multi encore une fois. Très bonne multi. On va passer sur le extrême. Sur le extrême. Et donc j'avais le Kid Buu. J'ai le Kid Buu déjà. Bah j'ai le Broly. Ouh, c'est vide. C'est vide. C'est assez chaud là, c'est plutôt vide. Ouais, bon, SSJ2. On espère juste pas avoir le Broly et le Kid Buu. Il y a quand même pas mal de chances qu'on ait les deux. Hein. Enfin, genre, je crois que c'est 6. Alors, on a 5 chips, je crois. Bon, en gros, j'ai un peu moins d'une chance sur deux de les avoir. Vegeto Tech, pourquoi pas, une très bonne unité. Un deuxième SSR en plus, et il est plutôt pas mal. C'est le support Agi. Je crois qu'il supporte deux types, je sais plus, mais il y a le Agi dedans et il donne attaque et défense plus 20% et un kit plus 2, donc plutôt pas mal. C'est dommage qu'elle soit pas une unité du détecteur, clairement. On aurait aimé. Ah, Wirus! Un Wirus juste avant qui est très bonne unité changeur de ki et qui rentre dans la team Metamol en plus! Donc on va pouvoir le jouer, on va pouvoir le jouer. Très bon changeur de ki. On peut jouer avec Gogeta et l'air. Il change les sphères de ki end. Il change deux sphères de ki end. Plutôt très cool. Et un petit Jeanne Mbappé. Ça fait plaisir ça aussi. Petit Jeanne Mbappé. Ok, pour l'instant très très bon. On va aller sur le leader Kateg. Bon, cette fois, me lâche pas Omega Shenron, s'il te plaît. Vegeta, est-ce qu'on va avoir une petite fusion ou pas? Allez. Ah, dommage. J'aurais voulu qu'il me fasse plaisir. Mais c'est J3. SSJ God. Non, pas de SSJ God. Pas de SSJ God. Ok, Muten Roshi, Krillin. Petit Vegeta. Bojack, qui va me servir à monter l'autre Bojack. Ah, est-ce qu'on va avoir un deuxième SSR? C'est la question. Pour l'instant, c'est mal parti. Je crois que c'est le 8ème. Alors, soit c'est celui-là, soit c'est celui-là d'après. Ah, petit Vegeto N. Super Vegeto N. Donc, très très cool au niveau de ce leader catégorie. Je prends. Après, la catégorie, c'est vrai que c'est pas celle que je veux forcément jouer. Mais. Très bon. Très bon. J'aurais peut-être préféré avoir un. C'est pas grave en fait, j'ai pas de... Pour l'instant, j'ai pas de leader catégorie, donc très bon. On va partir sur la multi LR garantie, donc on a un Gohan et Piccolo qui garantit l'unité du détecteur.
On va avoir un bye bye les gars, peut-être un double bye bye, bah ouais. Ça serait sympa, double bye bye quand même. Juste pour le fait de me penser qu'il y a un l'air garanti. Tu as éveillé ma colère, Frieza. Et le deuxième avec le jeu une culotte. Oh putain, le troll, le giga troll. Ah, l'énorme troll. Ah oh, là 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 là. Oui, nice. Nice, nice, nice. Ça c'est très très bon. Très 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 content, on a le Goku et ses 4 puis juste avant là on a le tech du coup. Ce compte il va partir dans l'espace les gars. Et je sais pas pourquoi, je sens que cette multi va être incroyable encore et que c'est pas fini. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison? Me fais pas mentir le jeu. On va voir qui en dernier du coup comme LR garantie. Guldo. Oh non, c'est abusé. Ah l'abus. Ah là 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 là. Ah le tra... Non, c'est abusé quand même. C'est le seul que j'avais, il fallait qu'il retombe. C'est un très bon doublon hein, mais clairement je suis pas content. Ouais non quand même. Pour un... Bon la multi en soi est très bonne, il y a le Goku dedans mais le Bojack qui casse un peu le délire quand même hein. Il casse un peu le délire. Il casse même vachement le délire en vrai. En vrai il casse vachement le délire le Bojack. Alors on va faire l'inventaire de ce qu'on a eu en tout. Donc on a eu pas mal de doublons en vrai. On a eu Bojack doublon et LR. On a eu le Gogeta, Kid Buu Int, deux Gogeta Int. Le Vegeta Super Saiyan 3, le Goku SJ 3 que je n'avais pas. Du coup c'est dommage pour le Bojack, c'est vraiment le Omega Shenron aussi. Mais globalement c'est de très bonnes invocations pour un rural. Après c'est dommage, on aurait pu avoir mieux mais... C'est dommage quand même, un petit pincement au cœur à cause de tout simplement le... à cause du doublon Bojack quoi, à cause du doublon Bojack, malgré que ça soit une super unité. Du coup pour la team fusion on va avoir vraiment une team de malades. On va avoir tac, on a déjà des doublons dessus, on va avoir le virus. Et en plus de ça, héros de film, alors je sais pas si le Goku SJ3 il rentre dans héros de film. Le Goku SJ3 ZTUR. Je crois qu'il rentre dans Héros de Film, donc s'il rentre dedans, c'est cool, on peut le mettre dedans. On a de quoi de faire pas mal de teams quand même, l'air de rien. C'est vraiment pas mal pour un début de reroll. Donc on va voir, le compte il a été farm, il y a les 4 ans qui arrivent, donc il y a encore moyen qu'ils partent encore plus dans l'espace. Bon, résultat des invocations, c'est vrai que je suis déçu, un peu déçu, même si les invoques sont incroyables à cause du doublon du LR, hein. On va pas se mentir, c'est un peu le principe d'avoir deux LR différents alors que j'en ai qu'un seul. Du coup, il va être très bon, mais assez dégoûté à ce niveau-là. Tant pis, écoutez, c'est pas grave. J'espère que vous avez kiffé regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Le lien du YouTube est dans la description. N'hésitez pas à les checker, ça prend vraiment 5 secondes. Vous pouvez visionner 2-3 pubs et à chaque fois, ça fait un petit don pour la chaîne. Et ça me permet de faire des vidéos invocations. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est un très bon moyen de le faire gratuitement. Ça fait grave plaisir. Les petites notifs avec la petite cloche, l'abonnement si c'est toujours pas fait, frérot, ça te permettra d'être au courant quand je sors des vidéos et des lives. Et puis voilà, écoutez, normalement, je reprends le rythme au niveau de la chaîne, donc on va essayer de sortir au moins 3 vidéos par semaine, voire plus, si le cœur m'en dit, voilà, tout simplement. On va avoir le retour bientôt des concepts de la chaîne, je sais, je dis ça depuis un moment, mais ça prend pas mal de temps. Et donc va y avoir un site pour le Dokkanim, etc. On essaie de faire les choses proprement. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Et puis je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Plein de bisous à vous. Ciao ciao. À la prochaine.